Hello, hello les lions, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez la forme. Comme d'hab, je vous mets le formulaire des questions juste dans le chat ici. Et je vous demande de le remplir, s'il vous plaît. Comme ça, on commence dans 4 minutes. Exactement dans 4 minutes. Donc, je vous demande juste de remplir le formulaire de questions, s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir synthétiser et puis être efficace dans le coaching. Pour ceux qui veulent prendre la parole, remplissez juste le formulaire. Je vous remets le lien dans le chat. Et puis ensuite, on commence. À tout de suite. Yes, c'est parti. Salut les lions, salut les lionnes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et bienvenue dans notre coaching de groupe EFA du jeudi 2 mai. J'espère que vous êtes en forme. Je vais profiter en même temps tout simplement pour vous demander d'écrire votre victoire récente. Qu'est-ce qui s'est passé de bon entre la semaine dernière et cette semaine, que ce soit dans votre vie perso
ou dans votre vie professionnelle également, qu'on puisse célébrer avec vous. Donc, mettez juste dans le chat une victoire que vous voulez partager, qu'on peut célébrer avec vous, parce que malheureusement, pour l'instant, je ne vis pas encore avec vous 24 heures sur 24. Donc, je ne suis pas encore au courant de tout ce qui se passe exactement dans votre vie. Mais c'est pour ça qu'on a ces rendez-vous-là pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut célébrer avec vous, qu'est-ce qu'on peut souligner. Et je suis certain qu'il s'est sûrement passé des choses dans votre vie, perso ou business. Et donc, c'est l'opportunité aujourd'hui de célébrer ensemble pendant qu'on est en famille. Sinon, j'ai vu qu'on a trois questions aujourd'hui, donc ça va aller vite. On a Ludmilla, on a Noëlla et on a Mériberthe qui ont mis des questions dans le formulaire. OK, super. Et juste avant de rentrer dans le coaching, je voulais vous rappeler quelque chose ici. Super important que vous gardez en tête que il y a juste deux choses. Attends, je vais éteindre la lumière. Ah oui, d'accord. Je suis un peu contre-jour. Est-ce que vous me voyez quand même ou pas? Ça va? Ah ouais, j'ai éteint la lumière, je suis un peu contre-jour. Attendez, je fais un truc comme ça. Si je déplace ma lumière comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, un petit peu mieux. Ok, c'est un petit peu mieux. Parfait. C'est ça Mais en qu'on est plus. noir. Pardon? C'est ça qu'on est noir. Ouais, c'est ça. Mais moi, je sais pas si je suis noir, moi, je suis violet, là. La tendance, elle Violet. va un peu plus foncée, là, des fois. Il y a deux choses que je voulais vous rappeler avant de commencer le coaching aujourd'hui. Vraiment, deux choses principales. C'est que parfois, on n'a pas forcément de clarté. J'étais à votre place aussi, donc je sais exactement qu'est-ce que c'est. Parfois, on n'a pas forcément de clarté. On veut un objectif, on veut générer des clients, on veut développer son activité, on veut impacter des gens, etc. Mais on n'a pas vraiment de clarté sur quelles sont les actions à faire, etc. Et en fait, il y a deux choses principales qui vont vous rapprocher de votre objectif. La première chose, c'est générer des appels. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est closer des appels. S'il y a des actions que vous faites en ce moment, surtout pour ceux qui sont à partir de la semaine 1 et à partir de la semaine 3, à partir de la semaine 3, ceux qui ont déjà dépassé la semaine 3, s'il y a des actions que vous faites qui sont en dehors, qui ne vous rapprochent pas de cet objectif, le premier, de générer des appels ou de closer des appels, ce sont des distractions. Et ça, c'est exactement ce que vous ne voulez pas. C'est exactement ce que vous ne voulez pas. Vous voulez éviter d'avoir des distractions parce qu'il n'y a rien d'autre qui va vous rapprocher de votre objectif que de, un, générer des appels et de closer des appels. L'argent, je rappelle encore une fois, toujours, hein, c'est vraiment mon introduction aujourd'hui, mais je vais rappeler tout le temps, l'argent, la valeur de l'argent, la valeur de l'argent, c'est une valeur spirituelle. D'accord? Ça a de la valeur si et seulement si. Attendez. Ça a de la valeur si et seulement si le message qu'il porte, il y a des gens qui mettent de la foi là-dedans. Si vous et moi, on met plus de foi dans le message qu'il annonce, là, il annonce 100 $. Vous voyez, ça annonce 100 $. Si tout d'un coup, le 100 $ qui est annoncé ici, il disparaît et qu'on met, je ne sais pas, ça devient un papier blanc, et ben ce même papier, c'est la même matière, mais ça n'a pas de valeur et ça a de la valeur tout simplement à cause du message qu'il porte. À cause du message qu'il porte et à cause de la foi que les gens mettent dans ce message. Si les gens arrêtent de mettre de la foi dans ce message, si les gens arrêtent de mettre de la foi dans le message que ce papier-là il porte, ce papier-là n'a plus de valeur. Il devient un papier comme ça. Et ce que vous voulez en fait, c'est avoir des messages ici, avoir des messages en conversation avec des gens, en DM ici. Donc ici, c'est les messages privés, en DM. Et ici, ce sont les appels. Vous voulez avoir des messages qui créent de la foi dans le cœur de vos prospects pour qu'ils prennent des appels avec vous. Et vous voulez avoir des conversations avec vos prospects qui mettent de la foi dans votre message pour qu'ils achètent, pour qu'ils deviennent clients chez vous. Tant que vous n'êtes pas en train d'envoyer des messages qui vont produire de la foi chez vos prospects, vous n'allez pas pouvoir générer des appels, vous n'allez pas pouvoir closer des appels et vous n'allez pas pouvoir générer du cash parce que vous allez faire des actions qui ne sont pas des actions à forte valeur ajoutée. Vous allez faire des actions qui ne sont pas des actions spirituelles. L'argent est spirituel. L'argent ne vient pas d'un résultat, d'un effort matériel. C'est pour ça que la plupart des gens qui échangent leur temps
et leur énergie contre de l'argent seront toujours les plus pauvres. Mais les gens qui ont appris à faire de l'argent grâce à leurs paroles, donc leurs mots écrits ou leurs mots parlés, ils vont toujours réussir à créer de l'argent. Parce que l'argent vient des gens qui mettent de la foi dans un message. C'est super important que vous compreniez comment l'argent se crée. Je veux ici qu'on ait des entrepreneurs qui sachent comment créer de l'argent. Vous créez de l'argent grâce à vos mots que vous parlez ou grâce à vos mots que vous... grâce à vos mots que vous écrivez ou grâce à vos mots que vous parlez ici. C'est comme ça que vous créez de l'argent. À chaque fois que vous faites des tâches, des mots parlés, que vous envoyez, vous écrivez des mots parlés à des prospects, des mots écrits, pardon, à des prospects, des mots parlés ici à des prospects au téléphone, vous êtes en train de créer de l'argent. Littéralement, vous êtes en train de créer des actions qui vont vous ramener de l'argent. Et donc, c'était ma petite introduction, le petit rappel, parce que je sais que parfois, on peut être perdu dans l'opérationnel, on peut être perdu un peu dans les actions de tous les jours, etc. Et on peut se dire, mais comment est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Est-ce que vraiment je suis sur la voie de mon objectif? Est-ce que je suis vraiment en train de faire des actions qui me rapportent de mon objectif? Est-ce que je vais vraiment réussir à vivre de mon activité? Oui, la seule compétence que tu as besoin de développer, c'est d'apprendre à avoir des bonnes conversations écrites, des bonnes conversations parlées avec des prospects. Et plus tu t'entraînes, tu deviens bon là-dedans, tu deviens bon là-dedans, tu vas être une machine qui imprime des billets. C'est littéralement ce que je fais depuis 2020. Depuis 2020, c'est soit je parle avec des gens sur les réseaux, soit je parle avec des gens au téléphone. Devinez quoi? Au fur et à mesure que je m'entraîne, au fur et à mesure que je deviens bon, je crée de la foi par mes paroles, je crée de la foi par mes écrits. Les gens mettent de la foi dans mon message. Ils n'ont pas vu mon produit, ils n'ont pas encore vu mon programme, ils ne savent même pas encore si vraiment je peux les aider ou pas. Et ils me payent quand même. Parce que c'est pas là, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est, y a rien d'autre qui crée de l'argent que les paroles. Est-ce que ça vous aide, ça? Dites-moi dans le chat si vous retenez de la valeur de ça. Après, on va rentrer dans les questions. J'espère que ça vous a laissé le temps également pour remplir le formulaire. Mais j'avais vraiment à cœur de vous partager ça, guys. J'avais vraiment à cœur de vous partager ça aujourd'hui. Mettez-moi juste vite fait dans le retour, dans le chat, ce que vous en pensez. Meribert qui dit oui. JF qui dit oui, c'est du bon. Amazon qui dit oui, totalement. Christelle qui dit oui, vraiment un bon message. Excellent. Content que ça vous aide. Super. Cool. Alors, on va accueillir les nouveaux. Qui est nouveau aujourd'hui? Amazon qui dit j'en avais besoin. Ah, je suis content que ça t'aide. Super, Myriam. Ludmila, c'est vrai que c'est ton premier coaching aujourd'hui. On va accueillir Ludmila, guys. Est-ce qu'on peut lui souhaiter la bienvenue? Noëlla aussi, je crois que c'est ta première fois que je te vois en coaching aujourd'hui. Je ne t'avais pas vu encore. Noëlla aussi, bienvenue, Noëlla. Tu peux prendre Ludmila 2 minutes pour te présenter, nous dire rapidement d'où tu viens et ta mission business également, qu'on te souhaite la bienvenue. Oui, alors moi je suis en voiture, je sais pas, je mets quand même ma caméra ou ça ira. Si tu es en voiture, on privilégie ta sécurité. C'est bon. D'accord. Alors je m'appelle Ludmila Mazedi, je vis au Sable d'Olonne en Vendée, en Pays de Loire, en France, et j'ai 46 ans, je suis maman de 3 enfants, 2 jeunes adultes et un petit de 10 ans. Et je suis rentrée dans la méthode Alpha pour pouvoir devenir indépendante financièrement et aussi et surtout pour aider des femmes entrepreneurs noires en surpoids à pulvériser 5 à 15 kilos en 3 mois. Donc, Yes! Ça, c'est une voilà. mission du tonnerre, ça. Est-ce que vous pouvez les jeter la bienvenue, s'il vous plaît, dans le chat? Dites les bienvenues. Merci pour ta présentation, Limila. Excellent. Merci. Noëlla, à toi. Noëlla, ouvre ton micro, ouvre ta caméra, on veut t'entendre, on veut que tu te présentes rapidement à la communauté. Bonjour, je m'appelle Noëlla, j'ai 18 ans, je travaille dans un salon de coiffure avec ma tante. Et on a récemment créé une gamme de produits pour cheveux qui aide à réparer le capillaire des femmes qui ont les cheveux cassés, asséchés. Et on permet à leurs cheveux d'être revitalisés. Super, 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 welcome. Welcome Noëlla. Est-ce qu'on peut te voir Noëlla Merci. aujourd'hui? J'ai un problème avec la caméra. Ah, t'as un problème avec la caméra masse. Ok, ça Ouais. marche. Donc on va rentrer dans les questions. On a 3 questions aujourd'hui. On a Ludmila. On commence avec toi. Alors, ta victoire récente, c'est que j'ai fait mes exercices de premier module d'introduction. Génial. Ton mindset, il est fort. Excellent. Ta situation désirée, je veux sortir du salariat, être indépendante financièrement.
Problème actuel, je ne sais pas comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre et pas de stratégie claire, débutant dans la méthode. Oui, effectivement. Donc, comme on vient de finir ton embarquement aujourd'hui, Ludmila, c'est normal que tu n'avais pas encore forcément de clarté sur tes prochaines actions. Mais là, maintenant, tout d'un coup, ça va se dessiner. On a fini ton plan d'action quotidien. Tu sais que ta prochaine étape, c'est de faire tes premières missions, tout simplement. Et donc, tu vas avancer progressivement dans la méthode. Est-ce que tu avais une question particulière sur ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, peut-être? Non, non, c'est bien résumé, non, c'est clair. Effectivement, j'ai des exercices à faire là pour les prochains jours. Et non, non, j'ai pas de questions en particulier. Ça marche, bah je te laisse Juste, profiter alors. je sais pas si c'est le lieu pour te le dire, mais j'ai une dame qui est vraiment intéressée. Il faudrait que j'envoie ton numéro, ton profil, ou bien plutôt que je t'envoie Alors, son numéro, je sais pas. ce qu'on fait, ce que tu peux faire, c'est que je vais te donner un lien Calendly. En fait, c'est une dame que tu connectes. Par quel moyen tu parles avec elle? C'est par quoi que tu parles avec elle? Dans les réseaux, WhatsApp c'est en ou WhatsApp? WhatsApp, OK. oui, WhatsApp. Ok, parfait. Donc dans ce cas-là, c'est que je vais te donner mon lien personnel. Je te l'envoie dans ton school. Et si jamais la personne devient cliente, bah, tu auras un 1 000 $ de commission. Tu auras 1 000 $ de commission pour le référencement. Ah, wow. Ouais, donc Super. je t'envoie ça ici. Quand je vous dis, guys, que chaque semaine, normalement, je crois, dans les vidéos de vue d'ensemble, je vous dis si vous avez des personnes qui seraient intéressés à utiliser la méthode EFA, qui ne savent pas du tout comment créer leur offre d'accompagnement, leur offre de service en ligne. Ils ne savent pas du tout comment avoir un système d'acquisition sur les clients, de clients sur les réseaux sociaux. Et si vous croyez que la méthode EFA peut les aider et que vous me les référencez, qu'on a un appel ensemble, si la personne devient client, boum, c'est 1 000 $ dans votre poche directement. Donc, on a ce programme-là de référencement aussi qui est là, qui existe. Ludmila, je te l'ai envoyé dans ton school. Ok, je t'ai envoyé mon lien personnel pour un appel. Donc, tu pourras partager celui-là Ok, avec ton ami. c'est top, merci. Je t'en prie. Ensuite, qui d'autre qu'on avait dans le formulaire? Hop. Noëlla et Joël. Donc, Joël ne sera pas là aujourd'hui? C'est ça, Noëlla? Non, elle ne sera pas là. D'accord, ok. C'est incroyable. En fait, Noëlla, elle est super inspirante. En fait, elle a 18 ans, mais en fait, elle travaille avec sa tante qui a un salon de coiffure. Et en fait, du coup, sa tante a souscrit à la méthode des femmes, mais elle l'aide, elle assiste en fait sur sa stratégie sur les réseaux sociaux. Et elle a 18 ans, elle est déjà avec des entrepreneurs. Est-ce que vous voyez comment le monde il évolue? Je sais pas si vous voyez, mais moi, j'ai 35 ans, genre, j'ai 35 ans. À 18 ans, j'étais en train de chercher à réfléchir comment j'allais avoir le bac. Genre, elle est déjà dans un programme de coaching en ligne avec des entrepreneurs qui développent leur activité en ligne. Imaginez la sagesse et le temps qu'elle va gagner sur sa vie, Noëlla. Elle va gagner un truc de fou. C'est-à-dire, elle va avoir, genre, je pense qu'elle aura, dans 2 ans, elle aura le mindset que j'aurais peut-être, que j'ai eu peut-être quand j'avais l'âge de 30 ans. C'est incroyable. Tout simplement parce qu'elle est dans un bon environnement, elle est en contact avec des personnes qui sont beaucoup plus avancées qu'elle, avec une autre connaissance. C'est incroyable. En fait, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou. Vraiment, je trouve ça fou. OK, Noéla, comment je peux t'aider? Atteindre les 10 à 15 cas par mois. OK, manque de stratégie, clientèle claire, embarquement. Oui, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, on n'a pas fini l'embarquement ensemble. Est-ce que là, vous avez réussi à le compléter cette semaine? Ouais, il nous reste un dernier tableau. Il nous reste à compléter en fait une case où c'est écrit taux de closing. OK, alors par défaut, ce que vous pouvez mettre, c'est 33%. OK, quand on commence. Quand on part de Ouais. zéro, en général, entre 25 et 33 %, c'est bien, c'est un bon taux. Donc, allez-y avec 33 % pour l'hypothèse. Ok. Est-ce que tu avais autre chose? Non, du tout. Bah, du coup, dans ce cas-là, si vous avez fini, c'est parti, hein. Vous pouvez reprendre un appel avec moi. Ok. Ouais, vous pouvez reprendre un appel avec moi, un appel où vous êtes toutes les deux disponibles au même créneau. Et puis, on va pouvoir reclarifier l'embarquement pour que vous passiez à la prochaine étape après. Ok, aucun problème. Excellent. Est-ce que tu avais une autre question sinon? Non, du tout. Parfait. Mériberte, à toi, Mériberte. Alors, ta victoire récente, c'est ta relation avec Bédi. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Je trouve ça beau aussi, ça. Parce que EFA, si, c'est aussi ça. C'est un échange vertueux entre plusieurs entrepreneurs. On a des personnes qui sont en Guadeloupe, des personnes qui sont en Guadeloupe et au Québec, qui ont créé des amitiés entre eux. On a des personnes qui sont au Québec, qui ont créé des amitiés entre eux. On a des personnes qui sont en France, qui ont créé des amitiés entre eux. Des personnes qui sont aux Antilles, en Belgique. C'est ça qui est beau. Et Méribert, parle-nous de ça un petit peu. C'est quoi ta relation avec Bédi? C'est quoi ta victoire? Qu'est-ce que tu veux célébrer par rapport à ça? En fait, ma relation avec Bédi, c'est extraordinaire.
Elle m'encourage, elle me motive, elle m'aide à justement m'améliorer, à me développer au niveau de mon entreprise. Tu sais, elle m'a dit quelque chose. On est allé manger la semaine dernière Est-ce que ensemble. pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux juste rappeler comment tu as connu Bédi, pour ceux qui n'auront pas OK. le contexte, tu vois? D'accord. Bédi, je l'ai rencontrée grâce à la méthode EFA, sachant même pas qu'elle était au Canada. Ne sachant même pas qu'elle allait à l'église Nouvelle Vie, l'église où je vais. Alors, je l'ai connue là, puis je l'ai approchée, je la trouvais gentille, puis elle s'est ouverte à moi. Fait que j'ai dit, why not? Puis j'étais intéressée par les produits qu'elle vendait au niveau des cheveux. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? Puis je vous dis, c'est quelque chose que tu dis souvent de se parler, de faire les appels, closer des ventes, trouver un partenaire. Fait que je l'ai trouvé. Fait que j'ai demandé à Bidi de m'aider. Mais puis au fil d'aiguille, ben c'est là que j'ai su qu'elle allait à Nouvelle Vie. Puis là, je dis, ben, je vais à Nouvelle Vie aussi. Comme ça, je ne t'ai pas vue. Comme ça, je ne te vois jamais. Pourtant, je suis impliquée. T'es où? T'es assis où? Blablabla. Bla, bla. Puis bref, c'est rendu ma bonne amie. C'est rendu qu'on est très proches, comme je l'appelle presque tous les jours. Je lui fais des petits Oh, muffins. Je vais lui c'est ta porter des sœur de petits cœur, muffins. quoi. Ouais. C'est mon amie entrepreneuse. Puis, c'est drôle. En fait, moi, je ne crois pas à comment on dit ça, aux coïncidences. Je ne crois pas à ça. Puis, c'est tellement beau le fait que tu avais fort à cœur qu'est-ce que tu nous as partagé parce que ça me touche énormément. Puis, je vais t'expliquer pourquoi. Bédi m'a parlé, puis elle m'a donné mes quatre vérités sur plusieurs choses. Puis, elle m'a fait pleurer. Mais pleurer d'un bon coup. Elle m'a partagé ses émotions, qu'est-ce que Dieu avait fait à travers elle. Puis me dire de ne pas décourager. Parce que sincèrement, j'allais décourager parce que j'ai dit, cette entreprise-là, elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Puis pourquoi il n'y a rien qui fonctionne? Bref, on est allé manger, on a parlé et tout. Puis je lui ai abordé, j'ai dit, tu sais, comment tu gères tes finances? Comment ça se passe? Là, elle me parlait. Puis pendant qu'elle me parlait, elle m'expliquait, je voyais que ça ne sonnait pas bien. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais l'aider. Fait que là, je lui ai dit, tu sais, prends mon atelier sur le budget, je te l'offre gratuitement, puis tu m'en diras qu'est-ce que tu en penses en lien avec la méthode EFA. Parce que je sais que le budget, c'est la fondation pour gérer les finances, fait que les gens en ont besoin. Fait qu'elle l'a pris, elle a juste fait le module 1. Le dimanche suivant, elle est venue me voir, elle a dit, tiens, mes cartes de crédit, je te les donne, comme j'en veux plus. J'ai fait comme, attends, je comprends pas. Là, elle me parlait, elle dit, mais Myri, je sais pas gérer mon argent. Là, elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait, je suis comme, OK. Mais t'es rendu où dans les modules? Parce que j'ai 6 modules. Je dis, elle me dit qu'elle fait le module 1. Je suis comme, attends, mais t'as rien vu là? Tu fais juste le module 1, attends de voir les autres modules, tu vas être fini. Fait que tout ça pour dire qu'elle m'aide, je l'aide, parce qu'elle va me donner elle va m'aider Feedback, au niveau de des retours. ma situation capillaire avec Ouais. mes cheveux, puis je l'aide au niveau financier à se remettre en place. Puis elle a accepté d'être ma cliente. Parce que je l'ai appelé, puis j'ai fait comme, mais pourquoi tu viens pas me voir? Tu sais que je suis là-dedans. Puis j'ai juste posé la question, je lui ai dit, mais tu sais quoi, je peux t'aider là. Puis elle m'a dit, OK, puis je vais te payer. J'ai dit, non, 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 on est des amis. Et elle a refusé que ça soit gratuit. Fait qu'elle est ma cliente. Samedi, je vais faire mon premier accompagnement pour lui permettre d'acheter sa voiture cash et se libérer de ses dettes. Fait que c'est beau. C'est beau. Wow, C'est beau. comment tu te sens? Je suis épanouie, j'ai de la joie, elle m'aide. C'est vraiment un beau partenariat qu'on a fait ensemble. Sincèrement, là, j'ai les larmes comme, je pense que vous pouvez le sentir, comment je suis émue. Mais vraiment, elle m'a tellement aidée. Elle m'a tellement. Puis elle n'a rien fait, là, encore, là. Elle n'a rien fait. Elle a juste accepté de dire, OK, je prends ton atelier sur les finances que j'ai mis sur Facebook. Puis elle a commencé, puis elle a dit, mais attends, là, je sais pas gérer mes finances. Mais non, mais ça va pas. Puis j'ai parlé de ma problématique au niveau des capillaires de mes cheveux. Elle a dit, ben, je vais t'aider. Fait que tu vois, c'est wow. Wow, C'est wow. hey, c'est moi qui va avaler la mesure, je t'assure. Là, je me retiens parce que genre, je me dis, ah, je suis quand même l'autorité, il ne faut pas que je pleure devant mes clients. Mais j'ai grave envie de pleurer là, en vrai. J'ai les larmes aux yeux. C'est pourquoi? Parce que c'est exactement le projet que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que je crois profondément que chaque être humain sait faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Vous êtes bon dans des trucs que moi, je ne sais pas faire.
Moi, je suis bon dans les trucs que vous ne savez pas faire. Et imagine si chacun d'entre nous, on se lève dans notre plein potentiel, on se fait connaître au monde avec notre solution, avec notre connaissance, avec les dons et les talents que l'on a. On peut tous se servir les uns les autres. On peut tous se servir les uns les autres avec les dons et les talents que l'on a. Et ça crée une vie vertueuse, en fait. Ça change la vie, ça change la société. Et c'est vraiment ce que je veux créer avec Efa, c'est que on soit une famille. Non seulement vous créez des amitiés en tant qu'entrepreneur, peut-être des futurs partenariats, mais aussi que vous trouvez des clients. Parce qu'il y a forcément des choses qu'on peut s'apporter les uns les autres que d'autres, qu'en fait, on n'aurait pas besoin d'aller chercher ailleurs, en fait. Tu imagines être aide pour tes cheveux, toi tu l'aides pour ses finances, et boum, vous faites du business ensemble, mais en même temps vous vous développez ensemble, mais c'est incroyable, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Tu regardes, tu as Noëlla qui dit incroyable dans le chat, tu as Ludmila qui te dit bravo, tu as Myriam qui te dit. Bravo, t'as Ludmila aussi qui te dit Ahmed, c'est incroyable, c'est tellement beau. Je sais pas, vous ressentez, guys, c'est quoi, mais moi je suis en pleine gratitude quand j'entends ça, c'est mind blowing, c'est genre, c'est incroyable, ça vient vraiment, c'est genre, c'est vraiment divin, ce genre de connexion là, ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment divin, parce que c'est dans l'amour, c'est dans le service des uns des autres. Tu vois, c'est pas un truc intéressé, c'est pas un truc manipulation, c'est pas un truc je veux te truc, non, c'est de comment on peut aider son prochain avec ses talents, avec ses dons, tout en gagnant sa vie. C'est exactement la philosophie d'EFA. Bravo. Waouh. Oui, suite à ça, suite au gros coup de pied de derrière que tu m'as donné au niveau du live, Ah bon, moi je fais ça? ce samedi, Je je savais fais pas. un live à 10h30 sur les investissements. Fait que Ce je l'ai samedi? annoncé. Oui, ce samedi. Ce Yeah. samedi. Alors, je fais un live sur les investissements parce que je sais que beaucoup de gens me demandent et tout. Mais je dis, tu sais quoi, je vais y aller. Fait que je fais mon live. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se Ben passer ouais, sur. et puis fais un post dans la communauté FA aussi. Fais un post dans la communauté, c'est ça, pour tous ceux qui sont intéressés, un titre, ça peut être, je sais pas, trois étapes, je sais pas comment tu l'as appelé, mais trois étapes pour XYZ ou cinq étapes pour XYZ, je sais pas c'est quoi le bénéfice de ton titre. Mais l'idée, c'est que s'il y a des personnes qui sont intéressées dans la communauté FA, voici le lien de mon Instagram pour participer au live à telle heure, tel jour. Boum, faites ça, bénéficiez de la communauté, guys. Vous êtes trop silencieux. Vous êtes trop silencieux. Vous êtes trop cachés. Votre talent est encore trop caché. Quand est-ce que vous allez réveiller le lion qui est en vous, qui a besoin de se révéler? Quand est-ce? C'est quand? C'est pour ça que je dis c'est malheureux parce que pour l'instant, je ne peux pas encore vivre chez vous. Si je vivais dans votre appartement là tous les jours, mais tu fais quoi là? Aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, tu vas aider combien de personnes? Aujourd'hui, tu vas parler à combien de personnes? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je dors. Tu vas continuer à lire, tu vas continuer à lire, tu vas continuer à lire, tu vas continuer à écouter des vidéos, continuer à écouter des vidéos. Quand est-ce que tu donnes? Quand est-ce que tu te mets à servir des gens en DM? Quand est-ce que tu te mets à servir des gens au téléphone? Quand est-ce que tu te mets à contribuer? Quand est-ce que tu te mets à parler à des gens? Parce que c'est en parlant, plus tu parles avec des gens, plus tu vas être une personne de valeur. Et plus tu vas être une personne de valeur, plus tu vas créer de l'argent. Si tu n'avais jamais parlé, Mériberte, à Bédit, tu penses qu'elle serait devenue ta cliente? Non. Genre jamais. Genre jamais. C'est ça la beauté. C'est pour ça que le parallèle avec ce que tu viens de dire, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à s'ouvrir. Je commence à mieux comprendre. Je dis, tu sais quoi, si je veux des clients, je peux pas rester assis à rien faire. Parce que je pense que mon problème, c'est comme si j'ai encore le logo, la banque au Canada. Fait que là, les clients viennent à moi, ils ont besoin. Mais là, je suis entrepreneuse. Fait que non. Parce qu'à la banque, j'avais pas de problème. J'étais dans mon bureau, les clients venaient, puis je les aidais. Mais là, sinon, personne me connaît. Fait que là, il faut que je change ma mentalité, change ma façon de faire, change ma façon d'agir. Maintenant, c'est vraiment d'aller voir les gens. D'où ma question, mon problème. Aide-moi, parce que Instagram me bloque. Ok, on peut regarder ça alors. C'est quoi le message que tu as exactement quand tu fais les actions sur Instagram? Il dit que on vous laisse le maximum d'actions. Prends-moi mon téléphone, je l'ai pas. Bref, attends, je vais essayer d'en faire un live. Ouais, juste pour que je sache le nom, parce que selon le message, je vais te dire quelle est l'action à prendre. Est-ce que vous êtes inspiré par juste le partage là pendant qu'elle fait ça, Mériberte? Est-ce que ça vous inspire quoi? Mettez dans le chat un petit peu, ça vous inspire quoi le partage que Mériberte elle vient de faire avec sa connexion avec Bédi? Ah, il y a Ludmila qui met des connexions divines, super. Qu'est-ce que ça vous inspire d'autre, les gars? JF qui dit très inspirant, yes. Je serais curieux d'avoir vos réactions là-dessus.
Ok, là, ça me donne plein de Ah, leçons. Là, je suis en ça train c'est d'être. la solidarité. Yes, ça, super, super, Miriam. Exactement, la solidarité, c'est un beau mot, ça, effectivement. Ludmila qui dit un magnifique partenariat solidaire. Yes, super. Ok, nous limitons la fréquence à laquelle vous pouvez effectuer certaines actions sur Instagram, comme abonner à des comptes afin de protéger notre communauté. Si vous croyez que nous avons commis une erreur, dites-le nous. Ok, d'accord. Alors, en fait, effectivement, sur n'importe quelle plateforme sur les réseaux sociaux, l'algorithme, il envoie en fait des messages de blocage lorsque une fonctionnalité est faite dans un trop nombre élevé d'actions, dans un trop laps de temps très court. Donc, ma suggestion, c'est de faire à peu près 20 ajouts par heure. Donc, par exemple, si je veux en faire, par exemple, si dans mon objectif, c'est d'en faire 50 par jour. Bah, je vais mettre un. À chaque heure, je vais en faire 20 à chaque heure. Simplement. Donc, je vais en faire peut-être un au réveil, je vais en faire peut-être un quand je suis dans les transports, j'en fais peut-être un à ma pause midi, j'en fais peut-être un le soir, j'en fais peut-être un l'après-midi, et boum, j'ai fait mes 20 ajouts par jour. Ça me bloque quand même. Je l'ai fait. J'essaie de vraiment faire en séparé pour les heures. Puis quand j'ai fait mes 10 le matin, puis je fais les 10 au niveau à 10h30, j'en fais deux, puis après tout de suite, il me bloque. Ok, dans ce cas-là, ça veut dire que le cycle, peut-être que le cycle du blocage, il n'est pas encore fait. Donc là, ce que je te ferai dans ta place, dans ton cas, toi, j'attendrai à 24 heures. C'est-à-dire que de aujourd'hui midi jusqu'à minimum demain midi ou demain 14 heures, je ne fais plus cette fonctionnalité-là. Pour qu'en fait, le reset de l'algorithme puisse s'effectuer pour qu'il voit que ce compte-là n'a pas fait la même action pendant au moins 24 heures. C'est 24 ou Okay. 48 heures. Si mes souvenirs sont bons, essaye 48 heures. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 24 ou 40, je crois que c'est 48 heures. Et en fait, si tu fais ça au moins pendant 2 jours, donc disons jusqu'à samedi midi, l'algorithme va, ça va, c'est bon, il va te dire, OK, c'est bon, tu es débloqué, parce qu'en fait, tu as pu réutiliser cette fonctionnalité. Par contre, si lui t'a bloqué et que tu réutilises la fonctionnalité, le cycle repart. C'est comme si, en fait, il remet un 24 heures à ton compte ou un 48 heures à ton compte et il te bloque la fonctionnalité. Okay. Donc, ce que j'aurais fait à ta place, si pour l'instant, je ne peux pas ajouter des personnes, bah, ce n'est pas Je grave, leur je me parlais. focaliserai, hein? Je leur parlais. Ouais, Envoyer je des me messages. focaliserai, c'est sûr que je me focaliserai ici, déjà pour savoir si j'ai bien parlé à toutes les personnes que j'ai déjà en ce moment qui sont proches de moi, avant d'aller ajouter des nouvelles personnes. Et deuxièmement, si j'ai déjà parlé à ces personnes-là, je me focaliserai davantage à l'étape d'avant qui est faire du contenu, donc parler, faire du contenu, parler pour faire lever la main des clients potentiels, soit parler de leurs problèmes, soit parler de leurs désirs pour voir si je peux faire lever la main avec des commentaires sous mes vidéos ou sous mon contenu, tout simplement. Mais à chaque OK. fois, les plus grosses activités, à chaque fois, c'est ça, hein, c'est parler. Avant celle-là, c'est le contenu. Ça, c'est les deux principales, mais l'activité juste avant qui génère du cash, c'est de parler à travers votre contenu. Parler écrit ou parler vidéo. Mais c'est à chaque fois parler, 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 parler. La communication, c'est ce qui crée du cash flow. OK, good. Je n'ai pas inscrit cette question-là, mais j'ai une autre question. Comment je peux faire pour être en live avec Facebook? Parce que j'ai Facebook et Instagram, puis je sais que tu m'avais dit que de me concentrer plus sur Instagram parce que c'est là que les gens réagissent plus. Mais étant donné que je suis en mesure de, lorsque je publie sur Instagram, ça se publie automatiquement sur Facebook, ben j'ai quelques personnes qui commencent à s'ajouter. Même si je m'en occupe pas trop, je me concentre plus sur Instagram, mais je vois certaines personnes qui commencent à réagir et j'ai des nouvelles personnes. Fait que pour mon live, j'aimerais être en mesure de l'avoir non seulement sur Instagram, mais également sur Facebook. Mais Facebook, je sais pas comment. Alors, jusqu'à maintenant, je te cache pas, s'il y a d'autres personnes qui le savent, vous pouvez donner une solution dans le chat. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'ai jamais fait en même temps sur Instagram et Facebook. La seule chose que j'ai fait pour faire en même temps, c'est un d'un côté d'avoir mon téléphone pour Insta et d'un autre côté d'avoir mon Zoom ici et d'être en live sur Facebook. Sauf que là, les API, elles ont changé depuis avril. Facebook, il n'autorise plus que Zoom soit en live sur Facebook, je crois. Donc, tu ne peux pas faire en même temps avec le même outil. Moi, j'ai toujours fait avec deux outils, un ordinateur, un téléphone. StreamYard, ben voilà, il y a une solution qui t'a été donnée, Miribert. Aide à faire ça. OK. Merci. StreamYard, parfait. C'est payant? Ah, ok. Mais sinon, si tu veux le faire Oh gratuitement. là là, je suis dans les finances, les amis. Moi, je paye pas, hein. C'est quoi? Non, ce que je te conseille, si c'est. Regarde, ce que je te conseille, c'est de faire juste une annonce. Fais juste une annonce sur ton profil Facebook ou dans ta story qui est relayée sur Instagram et Facebook en disant
voilà, mon live va être dans tel jour, à telle heure. Ça va porter sur telle thématique, tu vas avoir tel bénéfice, ne rate pas ça. Voici l'appel à l'action. Abonne-toi à mon compte ou rejoins mon compte pour participer au live. Je ferai quelque chose comme ça. OK, parfait. Merci. Excellent. Gars, j'ai plus d'autres questions. C'est qu'on a terminé. À moins qu'il y ait quelque chose, il reste encore une bonne dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question en particulier ou célébrer une victoire? Quand Christelle, tu parles pas, moi, mon cœur, il bat un peu. Je me dis, c'est pas normal. Comment on peut faire un coaching et j'entends pas la voix de Christelle? C'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. C'est impossible. Je t'ai jamais vu en coaching et tu parles pas. Donc tu vois, là, tu vas mettre mon cœur un peu. Je vais poser des questions là. Est-ce que ça va, Christelle? Au moins, je vais entendre ta voix. Au moins, dis-moi si ça va. Si t'as pas de questions, dis-moi au moins, please, que ça Tu es va. sur mute, Christelle, on veut t'entendre. Non, je sais que je suis sur mute, je viens de démuter. Il faut que je reprenne là. Il faut que je reprenne là où j'étais. J'ai pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas de questions parce que j'ai pas beaucoup avancé ces dernières semaines. Il faut que je reprenne là où j'étais rendue. J'ai quand même continué les publications, mais ouais, il faut que je reprenne là où j'étais rendue. Puis c'est ça. Et comment ça Ça, va ton mindset? je voulais. C'est souvent un combat. Tu sais, des fois, je suis comme, je vais conquérir Canaan. Des fois, c'est comme Goliath est là. Je pense que je t'en avais déjà parlé. C'est un petit peu ça, mes luttes. Mais je m'accroche. Puis, ça me fait du bien aussi, tu sais, de venir, puis d'être aussi en groupe. Fait que ça devrait bien aller. Là, je vais reprendre là où je t'ai rendu dans le programme, puis continuer à faire mes actions. Ok, d'accord. On Ici. est là en tout cas. Bravo, bravo de ne pas lâcher. Je tiens à féliciter aussi ton attitude parce qu'en fait, ça, c'est la réalité d'un entrepreneur. On n'est pas tout le temps dans une énergie élevée. On n'est pas tout le temps au top de notre forme. On n'est pas tout le temps dans la discipline. On n'est pas tout le temps dans la performance. Ceux qui vous disent ça, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Dans la vie est vraiment faite de haut et de bas, de haut et de bas. L'important est de rester médian et de rester dans une moyenne qui est plutôt haute. C'est ça l'important de la vie. Ce n'est pas de ne jamais vivre des bas. Non, c'est de rester dans une moyenne qui est plutôt haute pour qu'on vive plus de haut que de bas. Et si on arrive à faire ça, ben on a une belle vie. Mais avoir l'attente que tout soit toujours au top, ce n'est pas une attente qui est réaliste parce qu'on est des humains. Et donc, je tiens aussi à féliciter aussi Christelle parce que c'est important de ne pas rester seul, même quand on a des moments de down. Même quand on a des moments où on n'a pas fait les actions. Même quand on a des moments où c'est un peu plus difficile parce qu'on est partagé entre le doute et la foi. Ne restez pas seul parce qu'être seul, c'est votre ticket pour abandonner. Vous n'avez pas investi dans un programme pour rester seul. Vous n'avez pas investi dans un programme pour chercher à régler tous vos problèmes tout seul. Si vous étiez capable de le faire, vous l'auriez fait déjà. Vous n'aurez pas besoin d'être ici. Donc, profitez de l'environnement que vous vous sentez bien ou que vous ne vous sentez pas bien. J'essaye de maximum d'installer une culture de famille pour que vous vous sentez bien, pour que vous vous sentez en confiance, pour que vous vous sentez vulnérable. J'essaie de mettre de l'humour, j'essaie de mettre du sérieux à la fois. Je fais les deux. Si vous avez bien vu, je ne fais pas que du sérieux, je ne fais pas que de la rigolade. Je fais les deux pour que vous vous sentiez à l'aise, que c'est OK d'être parfois vulnérable, d'avoir des moments down, et c'est OK aussi d'être dans les hautes énergies et de célébrer, d'être dans la joie et d'être dans l'humour aussi. Donc, on est là, Christelle, Christelle. Bravo. Good job. merci. Merci. Je suis désolée, j'ai oublié. On va prendre rendez-vous la semaine prochaine. Tu es à Montréal. Moi, je suis à Montréal, toi, tu es à la rive sud. On va prendre rendez-vous, puis on va travailler ensemble. OK? Ok, merci. C'est une super Non, idée. c'est pas juste OK, là. C'est comme on le fait, là. Comme la semaine prochaine, on se voit, on travaille ensemble sur chacun de nos projets. Ok, Ça parfait, sera merci. super. Good job. Belle initiative, Marie-Berthe. Super. JF, vas-y, tu veux prendre la parole pour célébrer ta victoire. J'ai vu ta victoire passer dans le chat. Oui, ben merci beaucoup pour ces coachings. Je sais que c'est très important là d'être ensemble et puis j'écoute tout ça, ça motive et tout. Donc là, ouais, j'ai vraiment c'est parti là. Là, j'ai une communauté là qui est en train de se bâtir et puis j'ai mon septième ma septième cliente là qui m'a dit que ben vendredi elle embarque dans la formation. Ouais, donc Félicitations. malade. Sept C'est clients, malade. les gars, ça fait en quoi? En 14 jours, là, je crois, t'es sur 2 semaines d'application, vraiment. C'est ça. C'est que une semaine après être entré dans la méthode des FAB, je me suis lancé avec une sorte de post-mission en DM parce que, bon, voilà.
J'ai comme recyclé les conversations que j'avais déjà ouvertes, mais qui n'étaient pas concrétisées, que j'avais jamais converties. Donc, je les ai relancées, en fait, avec la stratégie que Kevin donne dans la méthode EFA, mais en DM, pour les emmener dans des appels. Et puis, dans des appels, là, boum, là, je me rappellerai encore toujours de mon premier appel, là. Je le partage vraiment à tout le monde sur l'appel parce que dans ce premier appel, c'était vraiment très significatif. C'est une jeune femme qui est en France et qui veut évoluer professionnellement. Et quand je lui ai présenté le programme, j'étais même pas sûr de ce que je disais. Et elle m'a dit, je veux investir en toi parce que je crois en ce que tu dis. C'est fou ce que Kevin il disait au début de l'appel. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi là, ça vaut la peine. Et la dame, elle se cherche là. Mais elle dit, je n'investis pas. Elle dit, j'investis dans ce que tu dis, j'investis dans ce que tu es en train de dire, en fait. Et c'était justement ce que Kevin m'avait dit 10 jours avant. Parce que Kevin, si tu te rappelles, c'était un jeudi, je pense qu'on avait eu notre appel et puis on est embarqué dans la méthode. C'est que 10 jours plus tard, la dame me dit qu'elle a été à l'église le samedi et qu'elle a prié et que l'appel était une réponse à ses prières. C'est ce qu'elle m'a sorti là, le matin, là, je vous dis, un lundi matin, alors que même moi, je dis, mais qu'est-ce que je vais dire à cette femme, en fait? Je paniquais, j'étais comme, what? J'étais perdu mentalement, là. Puis, elle, quand elle m'a dit ça, ça m'a donné tellement de force et d'énergie. Et après, là, il y a 5 personnes qui ont embarqué. Là, ils sont dans la communauté, ils suivent les directives parce que, en fait, tout ce que Kevin il a fait dans la méthode et pas dans School, moi, j'ai juste comme copié-collé. Puis, dès qu'ils arrivent, ils ont leur message, tac, tu fais ça, ils suivent là. Ils ont écrit leur message de bienvenue, ils sont motivés, ils se likent entre eux. Donc, ils ont compris la dynamique rapidement. Puis là, je dis, attends, hey, il y a 5 personnes là dans ma communauté là. C'est fou, c'est malade là! Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible! Et il y a un truc, bon, moi je suis, en toute honnêteté, moi je suis chrétien, hein, je crois fermement à la puissance de Dieu et puis au Saint-Esprit. Et je me disais, mais est-ce que je les relance après l'appel? Et là, le Seigneur dit, je vais mettre des paroles dans ta bouche qui vont être tellement fortes que tu n'as même pas besoin de les relancer, c'est eux qui vont te relancer. Et Kevin m'avait dit, quand tu vas leur donner les bonnes paroles, c'est eux qui vont venir vers toi. C'est eux qui vont venir vers toi pour De jeter participer au leur argent au programme. visage. C'est ça, en fait. Il m'a dit, bon, je vais jeter leur argent à ton visage. Et c'est vraiment cette dynamique, c'est qu'ils réalisent que c'est tellement important pour eux qu'ils disent, hey, comment je fais pour embarquer? Voilà, je rentre à telle date, il n'y a pas de souci. Sens-toi à l'aise, rentre. Et je les mets dans un espace psychologique sécuritaire d'emblée. Donc, ça fait que quand ils rentrent, ils décident de se lancer dans la formation et tout. Et pour finir, le truc qui est important que j'ai réalisé, parce que le Seigneur m'a dit, regarde, est-ce qu'on relance quelqu'un pour acheter un téléphone? Je dis non, jamais. Je dis, ben, il faut que ce que tu dises là, dans ta bouche, ce soit au même niveau de besoin qu'un téléphone. Et à partir du moment, eux-mêmes, ils t'écrivent, j'ai réfléchi toute la nuit à ce que tu m'as dit. Ils réalisent à quel point c'est important pour eux. Et Salut vraiment, Myriam, bye bye. je vais dire merci, je vais rendre grâce. Et puis, merci beaucoup, Kevin. Je sais que, bon, j'ai des enjeux là aussi, d'acidité sur certains trucs, mais bon, voilà, on pousse. Parce que, en toute honnêteté, hein, c'est pas parfait là, parce que moi aussi, là, même ma femme là, elle me dit, hey, vas-y, suis bien le programme là et tout, parce que bon, mais ça va aller, on pousse là, on pousse, on pousse. Excellent partage, guys. Excellent partage, GF. Merci beaucoup. Excellent. 7 000 euros, 7 000, 7 clients, ça fait combien de chiffre d'affaires là que tu as généré déjà? 7 000 dollars déjà, du coup. Ouais, c'est ça, c'est aux alentours de 7 000 dollars. Wow. Félicitations. Félicitations. Merci. Beau partage. Merci pour ça. Merci beaucoup. Tu as eu des réactions aussi. Tu as Méribert qui t'a dit bravo. Tu as Myriam qui t'a dit bravo. Tu as Ludmila qui t'a dit waouh. Jeter l'argent au visage, elle a rigolé là-dessus. Yes. Myriam qui dit Dieu est grand. Yes. Super. Ludmila qui dit gloire à Dieu. Noéla qui dit gloire à Dieu. Au revoir tout le monde. Ok. Salut Noéla. On a Joël qui nous a rejoint. Joël, est-ce que tu es là?
On avait la nièce tout à l'heure, maintenant on a la tante. Donc Joël et Noëlla, c'est l'équipe de choc. Est-ce que tu es là, Joël, que tu te présentes brièvement? On te souhaite la bienvenue pour la première fois. Hello, bonsoir. Salut Joël, est-ce que tu peux te présenter avec nous, nous dire brièvement d'où tu viens et c'est quoi ta mission avec ton business, ton activité? Bonsoir tout le monde. Ben, en fait, je m'appelle Joël, je suis de la Belgique et donc je suis visagiste et conseiller capillaire et j'ai ma marque des produits de la gamme Elola et c'est une gamme en fait pour nourrir les cheveux afro. Ou les cheveux européens, justement. En fait, ça convient à tout type de cheveux. Pourquoi? Parce que y a pas de sel. Parce que avant, lorsqu'on créait la marque capillaire, ben, comme vu qu'il y avait du sel là-dedans, ça desséchait les cheveux afro. Donc, les cheveux afro ne pouvaient pas utiliser les produits pour le caucasien, quoi. Et donc, ici, j'ai créé ma marque des produits qui correspondent à tout type de cheveux. Et c'est sans parabènes, sans sel et sans silicone. Ça veut dire que ben, si tu as des cheveux crépus, nappis, lisses, tout, ça peut convenir à tes cheveux. Et donc, voilà, j'ai rencontré Kevin sur les réseaux sociaux. Et donc, je me dis, pourquoi pas? Parce que ici, dans ma communauté, ici, je les vends vraiment bien. Alors, je voulais justement les vendre au-delà de francophonie. Et justement, Kevin est là pour m'aider de pouvoir avancer. Et quand j'attends les témoignages des JFK, je suis désolée. Et ça m'encourage, et ben là, j'ai dit, ben, je suis à bon endroit. Yes, super. Bienvenue Joël. Est-ce que vous pouvez souhaiter la bienvenue, s'il vous plaît? T'as JF qui te dit justement bienvenue Joël dans le chat. Excellent. Welcome Merci. Joël. Écoute, on a passé Noëlla tout à l'heure. Elle avait une question, mais je lui ai dit qu'en fait, finalement, ce qui reste à faire de votre côté, c'est juste compléter l'embarquement et puis reprendre un appel pour qu'on passe après ensuite à la suite. Est-ce que toi, tu avais une question particulière aujourd'hui ou tu voulais juste profiter plus du coaching en tant que tel? Ben voilà, je voulais juste écouter, voilà. OK. Profiter quoi pour voir comment ça se passe. Super. T'as Christelle également qui te dit bienvenue. Wow, guys, Christelle. j'espère que vous avez aimé le coaching d'aujourd'hui. Moi, j'ai été super, super inspiré. T'as Ludmila aussi qui te dit bienvenue, Joël, dans le chat. Super. Merci. J'espère que vous avez été inspiré aujourd'hui. Je mets le replay également disponible dans la communauté pour ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, retenez bien une chose. L'argent que vous voulez, OK, il se situe en ce moment dans les poches des autres. Ce qui va faire en sorte qu'une personne va enlever l'argent de sa poche et l'amener vers vous, dans votre compte en banque, c'est la qualité de vos paroles. Les conversations, la qualité de vos paroles à travers votre contenu, la qualité de vos paroles à travers vos messages privés, la qualité de vos paroles sur vos appels. Si vous développez votre don de communication, vos compétences de communication, ce n'est pas forcément un don, mais c'est une compétence que vous apprenez ici avec EFA. Je vais vous apprendre à avoir des bonnes compétences de communication sur votre contenu, des bonnes compétences de communication en message privé, des bonnes compétences de communication sur les appels. C'est impossible que votre vie reste la même. Impossible. C'est impossible. C'est juste factuel. C'est impossible. La seule chose qui vous sépare de votre situation en ce moment à la situation où vous voulez, c'est votre capacité, vos compétences en communication. C'est tout. Parce que ce n'est pas le produit que vous avez. Ce n'est pas ce que vous l'avez créé. Ce n'est pas ce que vous avez tel module, 5 modules, 2 modules, 3 modules. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'industrie non plus dans laquelle vous êtes. Ah, mais je sais, dans ma niche, je n'ai pas d'argent. Non, c'est comment vous communiquez. Si vous créez une valeur perçue pour le prospect va vous jeter son argent au visage. That's it. Mary-Berthe, vas-y, on finit avec toi. Je voudrais justement, est-ce que tu peux m'envoyer ton calendrier pour que je puisse prendre un rendez-vous? Il y a quelque chose que je veux te montrer, que je veux parler. Puis, est-ce que dans les modules, tu nous montres comment justement améliorer notre façon de communiquer, la prise de parole? Parce que je n'ai pas vu. Alors, alors, je te réponds à ton premier truc. Pour le rendez-vous individuel, tu peux le prendre dans l'onglet Classroom, dans la formation. Je vous ai rajouté un lien maintenant qui est prochain niveau ici. Ça peut être bilan de fin ici ou ça peut être FA niveau 2. Donc, j'ai mis un lien ici pour les appels. Et si tu pourras prendre un rendez-vous avec moi directement ici. OK. Pour la communication, oui, par exemple, dans le contenu. Donc, d'ailleurs, Mary-Berthe, tu vas supprimer l'ancien système. Je sais que tu es sur l'ancienne plateforme, je pense, jusqu'à maintenant, mais vraiment Oui, non, connecte-toi à mais la c'est ça, nouvelle. j'ai commencé OK, tranquillement parfait. à... À Ouais. basculer? Parfait, parce que la Oui. version 2024, j'ai vraiment mis à jour la formation et tout, et les modules. Donc, normalement, tu vois, toi, tu vas être
Je pense que tu vas être sûrement à la semaine. Je t'invite à regarder à nouveau si tu veux reprendre un meilleur départ. Mais sinon, à partir de la semaine 4 et 8, tu vois, ici, dans le plan d'action quotidien, il y a le contenu ici. Donc, je vous aide déjà à améliorer le contenu. Donc, je vous donne des formations sur comment créer chaque type de contenu. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé vraiment des librairies pour chaque compétence. Parce que je vais mettre à jour au fil des années qui vont augmenter toutes les compétences que je vais apprendre pour la création d'offres, pour le mindset, pour le contenu, pour la vente, etc. Je vais mettre à jour régulièrement les modules. Okay? Donc, vous n'allez pas avoir une version finie. Et donc là, le contenu, par exemple, ici, tu as le calendrier de contenu débutant, tu as le calendrier de contenu expert, et je te donne, tu vois là, je les ai mis vraiment à jour, hein, ici, hein, je les ai mis à jour avec des nouvelles vidéos, et je te donne également des templates que tu peux vraiment copier-coller. Des exemples ici. Tu vois que tu peux vraiment t'inspirer pour créer tes publications. Et également, il y a aussi des vidéos, comment créer un post avant-après, comment créer un post de valeur, comment créer un post de changement de croyance, comment créer un outil gratuit, comment même faire un live, comment faire une vidéo de un live. Je crois que, est-ce qu'elle est là? Il faudrait que je vois si je peux la mettre à jour. Mais tu vois, je te donne vraiment comment toutes tes compétences de communication sur le contenu, il y a le module contenu. Tes compétences de communication pour les messages privés. Eh bien, il y a les conversations ici. Le module, il est là. Donc, il y a le mindset, la psychologie, comment comprendre les conversations. Il y a le guide. Donc, ça, c'est vraiment les scripts étape par étape, selon comment tu parles à un prospect froid, un prospect tiède, un prospect chaud, etc. Il y a les scripts qui sont là. Tu vois? Ça, c'est pour tes compétences de conversation. Il y a les outils aussi. L'outil CRM, c'est-à-dire tout simplement comment juste répertorier dans un Trello Oui. qui sont les prospects chauds, tièdes ou froids. Et puis après, la dernière compétence de communication, c'est la vente. Et donc ici, je OK. t'apprends comment effectivement faire un appel de qualification, comment faire l'appel d'opportunité, mais je vais encore compléter avec d'autres choses. Je vais encore aller plus loin. Là, cette année 2024, j'attends juste de finir, j'attends pas, je suis en train juste de finir la mise à jour de ce qui est nécessaire pour que vous ayez des résultats avec EFA 2024. Et ensuite, je vais compléter avec mes nouvelles connaissances parce que je m'arrête pas. Tu vois, rien qu'ici. Je te montre ici le livre que j'ai fini récemment, c'est le guide du copywriting. Comment écrire des textes Arrête de qui se vendent. bouger. Le guide du copywriting. Ok, parfait. Tu vois, comment écrire des textes qui se vendent? Et tout ça, c'est un livre que j'ai fini, mais il va falloir que je les synthétise et que je vous le partage sur EFA. Tu vois, donc je vais continuellement mettre à jour mes nouvelles connaissances et mes nouvelles compétences aussi. Guys, je vous fais des grosses bises, passez une belle fin de semaine et puis on se voit la semaine prochaine, tout simplement. Salut tout le monde. Bye bye.